Oui. Ah, pardon, pardon, c'est un... pardon. Incroyable, la bouffe, la nourriture incroyable. Bonjour, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bah oui, maintenant ça y est, on refait les lives de soir, là. Que live cuisine du matin, bon, on fera peut-être des pancakes une fois, mais pas tout de suite, quoi. Pas tout de suite, pas tout de suite. Bonsoir, bonsoir tout le monde, re-bienvenue dans cette cuisine absolument merveilleuse. La cuisine du chef Sim Sim, j'espère que vous avez passé une belle journée. Comment vous allez? Comment ça va Yabano? Comment ça va Tef? Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes absolument pas en retard, vous êtes même parfaitement à l'heure. Ce qui est merveilleux, on va évidemment refresh le chat qui va marcher à merveille. On a changé le fond. Alors on n'a pas mis encore les points de chaîne pour mettre le fond du live cuisine. J'ai un peu peur quoi. J'ai un peu peur de me dire j'ai un peu peur de ce que vous allez me proposer. Vous allez peut-être me proposer des propositions un petit peu voilà farfelues. Du coup, bah, alors bon, je vous préviens direct. On va faire un dessert, mais j'ai pas de fond pour le dessert. Pardon, non, pardon, j'ai pas assez bossé. Pardon. Je m'excuse, j'ai pas assez bossé. J'aurais dû faire un fond pour le mousse au chocolat aussi. Bon, merde. Voilà. Et puis l'overlay Spotify, il y a un problème. Ah quoi? Problème, écoutez, c'est pas grave. On était censé avoir l'overlay Spotify là qui marchait bien, mais il marche plus. Du coup, c'est la life, mais c'est pas grave. Comme ça, on peut voir cette belle feuille de basique qui est merveilleux. C'est merveilleux. Je suis content de démissionner. Bon, alors, tout va bien. Alors, une réaction tout à fait sensée au vu des événements. C'est merveilleux. Bien sûr, on parlait business, mon cher Tef. En tout cas, on te souhaite tout le bonheur dans ce business. J'espère que ça va bien. Des clients. Ah, vite, des clients. Non, mais moi, je suis pas comme toi. Moi, j'ai pas le. Nous, on va être tranquillou bilou, quoi. On va être à la cool. On va être à cool, surtout que c'est... Alors, là, vous m'aviez vu la dernière fois faire des burgers, je connaissais un peu la recette, je m'amusais, tout ça, c'est bon. Là, j'ai Firefox à côté, on va suivre des recettes. Hein. Ça va sûrement être dégueulasse, on va sûrement faire n'importe quoi. Ça va être beaucoup plus bordélique. Merci à tous. Et surtout que je suis censé partir à... je pars à Rome demain. Pour un petit week-end et j'ai pas fini mon sac. Donc si on peut éviter de finir trop tard, je suis chaud. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mercredi, que vous avez passé une belle journée, voilà, que vous avez passé aussi un bon mardi. On s'était pas vu, on s'était vu que mardi matin. Donc j'espère que vous allez bien. Ah, petit logo d'une entreprise, Steph. Ah bah n'hésitez pas à aller voir sur son Twitter. Il a fait des très beaux logos, dont le mien. On va voir si on l'utilisera un jour. Quel connard. Non, oui, à part ça, oui, on hésitera, on verra. Mais ça va être incroyable, ça vous fera du bien. Bah ouais, ça va être pas mal. Ça va être sympa. Donc voilà, bref, Yabano, Tef. Alors, Tef qui s'y connaît bien apparemment en lasagne. Donc, je compte sur vous. Je compte sur vous. Moi, j'ai 7... Ah merde, j'ai pas mon chat. Bite. Parce que sinon, j'aurais pu vous envoyer la recette que j'ai. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas... On va faire joujou, mais c'est très bien. Puis on l'utilisera, je t'ai dit, si on a un club de foot un jour, on l'utilisera. Donc ça va être incroyable. Je vais compter sur vous, j'espère bien. J'espère bien que je vais pouvoir compter sur vous. Je vous invite à me dire si la musique va bien. Si la musique n'est pas trop forte, si la musique n'est pas assez forte, etc. N'hésitez pas à me dire. Notre Galaxy, on va le mettre là. Comme ça, il va cacher un peu le socle. Voilà. Hop, il est sous le micro. Il cache le socle Doodle parce qu'évidemment on veut pas de placement de produits sur cette chaîne. Hein. Enfin, pas quand c'est pas payé quoi. Si c'est payé, évidemment, n'hésitez pas. Hein. D'ailleurs, Red Shadow Legend, arrêtez de m'envoyer des. Red Shadow Legend, arrêtez de m'envoyer des propositions. Ça m'a fait beaucoup de mal. T'as oublié le Nutella. Eh bien, on va arrêter de demander les conseils à Tef. Merci beaucoup d'avoir été là en tout cas. C'était un véritable plaisir. Bon, sur ce, on va commencer. Il faut que j'essaie de mettre mon téléphone parce qu'il est en train de charger. Faut que j'essaie de le mettre pour que je puisse voir le chat comme il faut. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal, mais je vois pas si des gens suivent. Écoutez, si des gens suivent, merci, mais je vous lirai pas. Bon, c'est parti. On va faire ce soir des lasagnes végétariennes. C'est-à-dire qu'on va faire des lasagnes sans béchamel. On va faire des lasagnes sans béchamel, ricotta épinard. Alors, je viens de trouver de la ricotta de chez Carrefour. J'ai ça, je sais pas si c'est assez, c'est 250 grammes, sachant qu'on va faire ça là-dedans.
On va faire une petite portion parce que comme j'ai dit, je pars à Rome demain. Donc c'est juste pour ce soir. On n'a pas très faim. Enfin, genre on a légèrement faim. Donc, on va pas envoyer les pâtés à faire des lasagnes pour 20 personnes. Voilà, je vais mettre un... Attendez, il faut que j'aille mettre un... Parce que cette verrue dégueulasse, je peux pas partir. Alors que j'allais voir quelqu'un. Donc on va mettre un petit, voilà, un petit peu de présentation quand même. Enfin, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon début de semaine. Je vois que vous dites plus rien. J'espère que ça va. En tout cas, j'espère que le chat n'a pas redéconné. On va le refresh au cas où. Normalement, ça devrait le faire. Mais voilà. Donc on va faire lasagne végétarienne, évidemment, sous les yeux aguerris de Tef et de Yabano. Et ensuite, on va faire une mousse au chocolat. Alors, ça aussi, mousse au chocolat, j'ai jamais fait. Du coup, j'ai peur. Aujourd'hui, elle a été compliquée. Je suis content d'être là. T'as failli mourir ? Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as failli mourir. On est toujours Daily Food, évidemment. Daily Food, n'hésitez pas à aller suivre ce compte Instagram. Voilà, peut-être qu'il revivra un jour. On dépend, ça dépend. Un mousse au chocolat, c'est facile. Ouais, j'ai vu un truc, ça avait l'air pas trop dur. Du coup, inch. Ah merde! Attendez, il a peut-être trop de... Attendez. Je vais envoyer la je vais baisser la luminosité de l'écran. Ok. Merde, il marche pas. Ah! Il va falloir que j'aille chercher l'autre chargeur. On va voir. On va voir, pour l'instant, il tient. Ça fait bien être ici. Donc voilà. Donc ici, mesdames et messieurs, on sera tranquille, on sera à la cool. Donc pose ton cerveau, mon Tef. Repose-toi bien, tout va être tranquille. Et donc on va commencer avec ces merveilleuses lasagnes. Je suis sûr que ça va être une réussite franche et parfaite. Ça va être merveilleux. Donc voilà, bon. Oui, c'est bon. J'ai la recette. Je vais poser mon jugement. Non, juge. C'est important. Non, il baisse. Ah merde. Alors attendez. Ah ça y est. Est-ce qu'on va déjà devoir tout changer? Je vais devoir changer de chargeur. Parce qu'il marque pas bien. Hop. Salut, vous voyez ma main. Bonsoir à tous. Bon, il va passer derrière ce connard ou pas? Merci. J'espère que vous passez un bon moment en tout cas. On va déjà devoir faire des changements. Parce que là, le chargeur, il marche pas. Alors attendez. Au secours. Je suis sûr que ça va marcher. Okay. Hop. Ah là, alors les gens qui sont arrivés maintenant, qui se sont dit ah c'est sympa, y a personne. Quel bon live. Heureusement qu'on est venu, chérie. Hein. Bon alors attendez. C'est bon, là ça va être le chargeur puissant, ça va être bien. C'est bon, let's go. Merveilleux. Bon, c'est parti pour les lasagnes. Du coup, les lasagnes VG. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 6 feuilles de lasagne fraîche. Alors attendez. Parce que moi j'ai ça. Comment ça 6 feuilles? Mais c'est peu 6 feuilles. Parce que moi j'ai celle-là. Alors attendez. J'ai ça. Peut-être m'ouvrir une bière, attendez. Alors buvez avec modération évidemment. Mais j'ai une bière et puis j'ai la gorge un peu sèche. Donc voilà, paf. Vous voyez pas, je crois. Non, c'est bon, vous voyez pas. Mieux quand il y avait personne, c'est vrai. Bon, je sais pas si c'est la meilleure idée de boire de la bière alors qu'on connaît pas la recette, mais ça va être merveilleux. Bon, du coup, on a ces pâtes là, mais on a quand même racheté au cas où un paquet en plus. Donc on les a. C'est ici, c'est bon. On a ça de près. Il nous faut 700 g d'épinards. Alors on n'a pas 700 g parce que c'est pour 6 personnes, mais on a nos épinards congelés. Ils sont beaux, ils sont frais, ils sont là. C'est merveilleux. Ensuite, quoi ? Ensuite, quoi d'autre? Gousse d'ail. J'ai pas sorti l'ail. On va prendre l'ail. Paf. Il m'en dit 5. Mais bon, on va falloir tout changer pour 2 personnes. Quoi. Parce que là, ils me disent un plat creux de 24 x 30. Et là, on a quoi, là? On a jamais 24 x 30, mais on a combien?
on doit avoir un 18 sur 18 là. Ça doit être un petit 18 sur 18. Bon, c'est plus petit quoi, en tout cas. C'est plus petit. Donc 5 gousses d'ail, une pincée de sucre, on a le sucre ici. Le coulis de tomate, la passata, on a la passata ici. Elle est belle la bouteille. Voilà, j'ai pris une simple parce qu'il y avait avec des goûts différents, mais j'ai pris une nature parce qu'on ne veut pas s'embêter. De la mozzarella râpée, on a du sel, du poivre, du basilic, on a. Mais ils ont deux étages sur leur lasagne, ça n'a aucun sens. Bah, je pense. En tout cas, nous, on va faire deux. Je pense qu'on va faire. On va faire deux étages. Hein. De toute façon, on a assez pour faire deux étages vu qu'on a racheté des pâtes. Tout va bien, on va pas s'énerver. Tout va bien, attendez, je vais refresh. Parce que oui, si vous parlez pas assez, le chat ne marche pas. Hein. Ça, je vous l'ai déjà dit. Si vous ne parlez pas assez, le chat ne marche pas. Donc, voilà. Maintenant, vous avez les infos, vous en faites ce que vous voulez. Ok, bon, c'est parti. J'espère que la musique est assez forte. Et puis, ça va être merveilleux, ça va être incroyable. Bon, lavez les épinards. Ne vous inquiétez pas, 700 grammes semble une énormité, enfin, une quantité hallucinante. Mais une fois cuit, pfiou, il n'en reste que peu. Une fois les épinards lavés, mettez-les dans une grande cocotte avec une gousse d'ail hachée et une pincée de sel. Couvrez et faites cuire 5 minutes. À feu vif. Le temps qu'il tombe. Faut mettre de l'eau ou pas? Faire plusieurs couches pour que ça soit bon. Ah oui, oui, non, non, on va faire plusieurs couches, c'est clair. On va faire plusieurs couches. Mais j'espère qu'on a assez de ricotta, par contre. On a que 250 grammes de ricotta. Mais bon, ils me disent 500 grammes de ricotta ici. Moi, j'ai dit environ 300 grammes à ma copine, et puis elle m'a pris 250. Bon, elles seront bien, voilà, quoi. Au cas où, on a plus de... Au cas où, on met de la mozza un peu dedans, quoi. C'est bon, on va pas s'embêter pour si peu, quand même. Bon, du coup, la cocotte minute. Alors, moi, j'ai pas de cocotte. Donc, on va utiliser une casserole normale. Pas me faire chier non plus. Ok. Bon, on va enlever les pâtes. Hop. Épinard congelé, non, tu les mets pas dans l'eau. Il me semblait qu'on mettait pas d'eau, mais je préfère demander. Merveilleux. Tac. Clac. Alors là, s'il y a un changement de plan, je vais pas vous cacher que ça va être compliqué. Hein. Il y a beaucoup de choses sur la table. Ça risque d'être un peu bordélique. Mais voilà. Bon, on a notre, nos épinards. On va mettre les, enfin, on a notre casserole. On va mettre les épinards dedans. Paf. Je pense qu'on aura trop d'épinards par rapport à... Où est le ciseau? Où sont les ciseaux? Je pense qu'on aura trop d'épinards par rapport à la ricotta, mais c'est pas grave. C'est le plaisir. J'espère que ça va la lumière d'ailleurs, j'ai pas trop regardé, mais... Mais normalement ça devrait aller, je crois. Il me semble. Sinon on va faire ça. Ah non. Ah non. On va laisser comme ça, non. Il y a beaucoup d'épinards là. Oh lol. Go. Go. Mais normalement en fait si on fait moitié moins de ricotta, on devrait faire moitié moins d'épinards. Là on a 500 grammes d'épinards et on est censé en avoir 700. Et 500 grammes de ricotta, on en a que 250. Nick. Nick, c'est pas grave. Ok, bon, alors une gousse d'ail maintenant. Ça, en fait, ça peut aussi dégager pour l'instant. Oh, c'est déjà le bordel dans cette cuisine. On n'a pas commencé que c'est déjà le bordel dans cette cuisine. Sacré nom d'une pipe. Ok, bam. Du coup, la gousse d'ail. Clac. On fait un peu de rangement. On va pas s'énerver pour si peu. Quand même. Oui, les épinards réduisent énormément. Exactement, ça va très bien aller. Il n'y a aucun souci. Par contre, la cam, on peut la mettre un peu. Mais penche-toi, ça. Pardon. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est bien en voyage. Ah, il y a Yulia qui est sur le chat. Ah, qui va juste mettre des emotes. You know that now that you're following the channel, Yulka, you can use like emotes that are unique of this channel. Normally you should have... Ah no, you're using your phone, so no, you can't. But if you're losing laptop, you should have, normally. It's written like followers emote. I guess. Pour ça. De monde loin. But at the same place where you have these emotes, the one you just took... Hein? Je crois qu'elle a trouvé.
Mais j'en sais rien. Ok. Vous arrivez à voir ou vous arrivez à voir? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais pas maintenant? No? Elle utilise des emotes qu'on vient d'avoir. No, no. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, non, still no. At the end, at the beginning, normally. Expliquez-lui où elles sont les emotes de follow, là. Faites un effort. Ok. Bon. Merveilleux. On doit la... Une gousse d'ail hachée, une pincée de sel. Hachée, du coup. Alors, on va hacher le... Voilà. Moi, je suis un professionnel, je suis un puriste. On va les hacher correctement. C'est faux. M'en fous. Hop, voilà. Ça marche très bien comme ça. Voilà, for example, Taff knows. Take example of Taff. He's the one who knows the path. Bon. On a notre gousse d'ail. Il faut une pincée de sel. Oh là là, comment elle fait la pub. Et hop. Est-ce qu'on met du beurre? Parce que d'où il y a cette fameuse phrase, mettre du beurre dans les épinards. Faut en mettre ou pas? Ou pas besoin dans les lasagnes? J'aurais tendance à penser qu'il n'y a pas besoin, mais enfin bon. Vu qu'il y aura la ricotta dedans... Qu'est-ce qu'il raconte l'autre là? C'est incroyable. Autant de conneries. Je crois que ça parle mal déjà dans le chat, c'est terrible. J'ai même pas commencé. Pour l'instant, j'ai fait des trucs assez simples quoi. Je devrais pas mettre chier dessus tout de suite. Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi on voit autant la... Non mais j'avais mis... La cam qui bouge, ton père. Hop. Ok, c'est bon. Non, ça va pas. Là, ça va. Ça a l'air pas mal. Poussez-vous. Il me faut plus de place. Ah, c'est compliqué aujourd'hui, hein. Ok, voilà. Bam, bam, bam. On va faire cuire tout ça. On va les faire cuire ici. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? 700 grammes, on s'en fout. Ouais. Faites-les cuire 5 minutes à feu vif. Le temps qu'ils tombent. Et goûtez-les ensuite très soigneusement. C'était pas après, mais je m'en fous. On ne te fait engueuler pas, mon père. Pas du tout. Alors, le... Il est où, le... Putain, je me perds déjà dans cette cuisine, c'est terrible. Ok. On a mis le sel, on a mis l'ail, c'est pas... C'est bon. On va mettre à 7. Voilà. 7 sur 10, ça m'a l'air bien. Pas... Ensuite, épluchez 4 gousses d'ail et 6... Enfin, d'accord. Versez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une sauteuse. Faites chauffer et faites-y revenir 5 à 6 minutes. L'oignon. Mais non, on met pas d'oignon, donc on s'en fout. Il me fait quoi? No, I don't think you should. I honestly don't know. Maybe you should. I don't know. Attendez, je comprends pas, là. Ah, mais c'est incroyable, vous voyez la cam d'ici. C'est merveilleux. Non, peut-être se calmer du coup. c'est incroyable ce qu'on vit. Non, mais je comprends rien. Attendez, parce que là, ils me disent. Mais ça, c'est pour faire la sauce avec le passata. Ils me disent qu'il faut de l'oignon, de l'ail et un peu de sucre. Du coup, bite. Non, mais nique. Non, mais sinon, ça va quoi. On va mettre un peu de sucre dans le. On va mettre un peu de... C'est quoi? Oui, on va mettre la sauce tomate, un peu de sel, un peu de sucre. On va mettre de l'ail dedans. Puis voilà, je pense pas qu'il y ait besoin de le faire cuire l'ail si on veut le mélanger à la passata. Tef! Au secours! Parce que là, on doit faire ça. Donc on a cette passata ici. On va peut-être prendre la bouteille. On va peut-être prendre... Hop. La casserole, la mini casserole. Est-ce que c'est assez... Ah, ça me paraît petit. On va peut-être prendre un plus gros bol. Attendez. On va peut-être prendre un... Mais si, si. Mais quoi? Je comprends pas. Bon, bref. Je suis une recette où ils me disent qu'il faut mettre de l'oignon. J'ai pas d'oignon.
Non, on va pas m'emmerder. Merde, j'en ai trop mis. Non, un petit peu plus. Ça va être bon, ça va être bon là. Ça va être parfait. Ok. Je pense qu'on en a mis assez pour l'instant. Qu'est-ce qu'il a du coup, Tef? Ok. On va mettre un petit peu de sucre. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Bah, aide-moi à ne pas te juger. Bah, je te pose une question sérieuse. Sucre, du sel, du poivre, ça va être très bon, ça suffit. Pour moi, il n'y a pas besoin de le cuire là, mais bon, ils me disent de le cuire, donc bon. Je vais bien faire un effort, mais quand même. Oh là là, c'est terrible, hein. C'est terrible ce qu'on est en train de vivre. Hein. C'est dur, franchement, les mots sont durs. Hein. En fait, le poivre, je vais le prendre avec ce poivre, Ryan. Voilà. Ça, ce serait mieux. Bah, suis la recette. Bon, bah, on va cuire les oignons, alors. Enfin, l'ail, du coup, super. On va cuire, mais je vais pas cuire juste de l'ail, j'ai pas d'oignons. Ça sert à rien de cuire de l'ail dans une poêle, c'est ridicule. Voilà, j'ai des oignons. Attendez. On va vérifier. Vous savez, c'est ces oignons comme ça, mais je sais pas si on peut. C'est ces oignons comme ça là. Est-ce qu'on peut, est-ce que je peux prendre juste cette partie là? Ça va faire le... ça va faire office d'oignon. C'est comment à l'intérieur? Oula. Pas sûr. Ouais, non, je croyais que j'avais des oignons, mais j'en ai pas. Mais en même temps, je pars, donc bon. Pas bien grave, quoi. Que ça s'utilise, ça, c'est un peu limite, hein. Tente le coup. Tentons le coup. Donc, comment ils vont mes épinards? On va baisser un peu le feu. On va baisser un peu le feu. Écoutez, go tenter, on prend des risques, on aime. C'est ce qu'on aime faire ici, hein. C'est prendre des risques, passer un bon moment, hop, voilà. On va éplucher, hop, émincer cet oignon. Ça va être parfait, ça va être nickel, non mais ce sera merveilleux. Ce sera merveilleux. Vous n'êtes pas prêts, hein. Franchement, vous n'êtes pas prêts, hein. Attendez, il m'avait dit que c'était comment qu'on coupait. Mince, il m'avait dit la technique. C'est comme ça. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. On va y prendre 5 heures, mais au moins on sera heureux d'être là. Je sais pas si c'est vraiment la meilleure des idées de faire avec ça, mais tant pis. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Au final, pourquoi pas? Ah, c'est pas mal, hein? Ça m'a l'air pas si mal que ça. Je crois en toi, je le jure. Putain, mais vous êtes tellement bâtard! Faites de la cuisine en live. Vous n'êtes pas juste tranquille chez vous à devoir suivre une recette. Faites-le en live. Vous allez voir la différence que c'est. Là, vous faites les malins, là, parce que vous êtes en slip chez vous à faire de la cuisine. Ah ah! Mais faites-le en live. C'est pas la technique la plus optique, mais elle fait le taf. Non, mais ça se coupe comme de la pomme, c'est bizarre. Ça paraît hyper épais.
Je suis pas hyper confiant, hein. Pas hyper confiant, mais je suis sûr que ça va le faire. Ce qui est contradictoire pour le coup, mais tant pis. Tant pis. Bon. Bref. Voilà, hop. Comme à l'ancienne. Quand on veut que ça aille plus vite, on tranche dans le tas. On se pose pas de questions, et puis la vie est belle. Merveilleux. On a notre oignon. Enfin, notre sorte d'oignon. Un truc qui ressemble à un oignon. À peu près. Bon, ça, je veux pas voir. Un truc qui ressemble à peu près à un oignon. On va avoir nos gousses d'ail. Donc, ils disent 4. Mais vu qu'on en a pas à ce point, on va peut-être en prendre 2. Je pense que 2, ce sera suffisant. Allez, on prend l'ail. Hop. On a notre première gousse. Bon, ma copine, elle aime l'ail, donc allez. On va prendre une belle gousse, quoi. Voilà. On va en prendre 3, allez. On est généreux. Ma copine aime bien l'ail. On peut se faire plaisir. Ouais, magnifique. Peut-être, en fait, on peut dû déjà mettre mes oignons ailleurs, mais tant pis. Faire un peu de place. À l'ancienne. Dire que c'est l'oignon. Non mais sinon on le fait pas si vous me dites que ça va pas du tout. J'essaie de trouver une alternative. Voilà, je fais comme je peux. Si ça va pas, bah on fait pas, puis tant pis. Vous êtes là, vous dites je veux pas juger, je veux pas juger, mais au final vous aidez pas, hein. Yabano il s'est tiré. Et Tef il fait que juger sans aider. Donc bon. Bravo l'esprit d'équipe, bravo! Bravo! Attendez, je mets juste mes épinards. Merveilleux. Non mais l'autre il fait sa pub vers ma meuf. Non mais t'en fais pas. Il y a un viewer italien, ça va bien se passer. Je lui donnerai les bons conseils. Rien du tout, que dalle. Juste pas fait un effort quand même. C'est ça, c'est ça les italiennes, putain. Je me réjouis d'aller à Rome, hein. Ça va être un bon moment, hein. Ça va être belle la journée, hein. Putain. Peut-être finir le stream hors live, hein. Peut-être finir la cuisse de cuisiner hors live, hein. Ah bah je vois. On a nos 3 gousses d'ail. Je suis français, je me plains, c'est normal. Bah, si on peut utiliser ça comme oignon ou pas. Si c'est pas vraiment conformément un oignon, mais bon, si c'est ça va comme oignon quoi. Bon alors attendez, épluchez l'ananas, ciselez le tout, vous avez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une sauteuse, faites-je venir et voilà. Oui bon, faut faire revenir les oignons à l'ail quoi, c'est bon. Arrêtez de me prendre pour un con. Ça va aller quoi. Bon j'espère qu'on pourra faire d'autres choses en même temps parce que bon. Parce que bon. C'est un carnage. Non, ça dort, y a pas de soucis. Tout va bien. Ok. Bon. On va envoyer la cuisson de l'oignon. Je pense pas que ça vaille vraiment le coup que vous voyez ça. Pour le coup, je vais pas changer la. La cam, en tout cas pas tout de suite. On va voir ce qu'on peut faire ici. Parce que bon, la cuve. Voilà quoi, il y a des épinards qui attendent d'être cuits. Et puis bon, c'est faire revenir des oignons et d'ail. C'est pas forcément quelque chose de super intéressant. Donc voilà, hop.
Tac. Ah. C'est un tel bordel que si vous pouvez éviter de voir ça, ça marrant. Pas mido non plus. Tac. C'est peut-être beaucoup d'ail, hein. Mais on aime l'ail, on aime l'ail. J'aime l'ail le plus loin des squelettes. Régale. En tout cas, je me réjouis qu'on fasse des maquis, hein. Vraiment, alors le jour où on va faire des sushis en live, ça va être une expérience, hein. Moi, je vous le dis, hein. Les sushis en live, alors que là, des lasagnes, ils sont en train de paniquer. Ça va être de valoir le coup, hein. Arrêtez mes épinards. Mixer un petit peu. Là, il y a l'oignon. Tournez le micro. Et voilà. Merveilleux. Bon, l'espèce de mélange ail-oignon qui est en train de cuire. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Je suis là pour te juger. Ah bah alors voilà. Ah bah putain, ça va être bien, ça va être merveilleux. Hein, parce qu'on n'est pas aussi bon qu'au burger. Hein. D'accord. Quand il commence à s'attendrir, ajoutez l'ail. Ok, bon, bref, on s'en fout. Ensuite, il faudra rajouter la tomate. Ok, donc on mettra notre mélange de passata ici. On va peut-être ajouter un peu d'origan là. On va ajouter un petit peu d'origan parce que moi j'aime l'origan. Voilà. Vu qu'il n'y en a pas. Voilà. Toujours bon, l'origan c'est italien, non ? Quoi ? Mais non, la place n'est pas prise. On est jamais... Plus on est de fou, plus on rit. Attendez vos conneries, arrêtez vos conneries. Y'a pas de soucis. Mais lui, il est italien, Yabano. Taf est italien, donc enfin, il a des origines italiennes. Donc si tu veux, voilà quoi. Tout le monde croit en Italie qu'ils ont des aussi un regard professionnel dès que ça touche à la pizza et aux pâtes, etc. Quoi. Bon, non, on n'ose pas leur dire, mais voilà. Bon. Ok. Mettez la ricotta dans un bol et écrasez-la à la fourchette. Ma mère, elle prend une recette pour pas la suivre. Mais je la suis, la recette. Oh, vous avez fini? Arrêtez vos conneries. C'est juste que j'ai rajouté des ingrédients perso. Ah, mais non. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Putain, mais il y a trop d'ail, j'ai mis trop d'ail. Moi, je voulais pas. Ok. Bon, qu'est-ce qui... Ça ne vient de ma nonna. Qu'est-ce qu'il disait après? Le temps qu'il tombe. Égouttez-les ensuite très soigneusement. N'hésitez pas à presser pour bien évacuer l'eau. Ok, bah c'est parti, c'est maintenant. On va les égoutter. J'espère que vous passez un bon moment vu que vous voyez rien. Vous voyez pas la cuisson. Vous allez pas voir le fait que j'égoutte. J'espère que vous passez un moment, mais est-ce que vous pouvez voir que j'égoutte? Oh là là, non, on abandonne. On abandonne le projet, là. On abandonne. C'est où pour tenir ? D'accord. On abandonne, hein. Ok, on appuie un peu parce que là, ça va pas du tout. Aucun pro ne peut battre une grand-mère italienne. Permets-moi d'en douter. Bon, enfin bon, allez, hop. Parti. Non, je suis sûr que personne. Bien sûr. Tu me tues, mais non, mais pas du tout. Très professionnel. Il est où mon truc? Il est là. Ok. Comment ça? J'ai pas réussi à perdre toute l'eau là. Il y en a masse de l'eau. Ça, vous voyez pas. Et c'est parce que j'ai tous mes putains d'ingrédients sur le top là. Donc ça prend de la place. Regardez toute l'eau qu'il y a. Ça va prendre des heures. Bon, je vais utiliser une passoire, ça m'a gavé. Je voulais le faire stylé parce qu'il y a une petite ouverture ici. Mais en fait, j'ai l'impression que les que les épinards bloquent vite. Donc on va simplement utiliser ça. Merci à tous, on a voulu être stylé. C'est pas grave, on abandonne le projet. Pas le premier qu'on aura abandonné ce soir. On risque de s'y faire. Bon, go. Paf. Ouf. If.
C'est parti. Voilà. Voilà. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. On perd là. Tombe. Oh. Oui, d'accord. Bah ouais. C'est prouvé scientifiquement. Ah d'accord. J'avais pas les mêmes infos, mais c'est pas grave. Ok, on va continuer à laisser revenir nos deux oignons. Et là, enfin notre oignon. Notre truc qui ressemble à un oignon. Et notre ail. Faut bien les égoutter. Alors, hop. Ah, vous voyez mon bras droit là. Enfin, bref. Mais j'en perds plein. Bon, c'est pas grave. Voilà, le plaisir. De toute façon, c'est bien, on en avait trop des épinards. Donc, c'est pas grave. On appuie bien. Ils ont dit dans la recette. Et Tef a dit qu'il fallait qu'on suive la recette parce que sinon, on était comme sa mère. On l'embrasse, hein, si elle nous écoute. Évidemment. C'est parti. T'as vu, j'ai écouté la recette. On en a moins hein, pour le coup. Bon, on en a sûrement perdu la moitié dans l'évier. Mais tout va bien, quoi. Oh, mon jugement, pas du tout. Je suis ouvert à votre jugement, hein. Moi, j'ai l'habitude, hein. Ok. Alors, je sais pas si vous avez vu mon frère passer sur le live, mais entre nous, on est bien, quoi. Terrible. Bon. Voilà. Bon, c'est pas hyper bien égoutté, mais tant pis. C'est pas grave. Ensuite, on va peut-être rajouter la passata ici, je pense. On va faire ça. On va rajouter la passata à côté. On va baisser un petit peu le feu. Ça, c'est bien dessus. Je trouve que c'est bon la passata avec un petit peu de sucre, ça équilibre un peu avec l'acidité. Non, moi j'ai voulu faire le pro alors que j'y connais rien. Ouais, ça équilibre un peu les saveurs, les sens. Parce que le sucré c'est l'opposé du salé, non de l'acide. Merde. Hop. Voilà. Et on mélange. Ah voilà, merci. Merci Yabano, ça ne sert à rien de suivre une recette. Bah c'est bien ce que je pensais, mais bon, Tef c'est plein, donc bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je sais pas si on a assez en fait. Mais on veut faire des petites lasagnes, il faut que je me calme. Hein. C'est vrai qu'on veut faire des petites lasagnes. Moi j'ai tendance à faire un manger pour un régiment, mais il faut qu'on se calme. On a assez, voilà. Bon, donc on a nos épinards ici. Ensuite ils disent quoi? On va peut-être les repousser. Mettez la ricotta dans un bol et écrasez-la à la fourchette. Il ne vous reste plus qu'à faire le montage. Ah, c'est fini après? C'était évident. Personne. Enfin, c'était simple, quoi. Ok. C'est faux. Mais ça va, un bon goût. Mais Sim, tu sais pas ce que tu fais. Pardon? Oh, mais quelle audace! Quelle audace! Comme ça, je sais pas ce que je fais, mais c'est terrible de dire ce genre de choses. C'est bien dommage que tu sois le seul mono sur place. Hein. Y a qu'un seul shérif en ville, malheureusement. Bon. Malheureusement. Ah oui, n'hésitez pas à clip. Hein. Ok. Mais ta race. Oh, il est tombé sur ma chaussette. Au secours. Bon bah c'est parfait. Ensuite. Vous voyez, oui, vous voyez ce qui se passe. Vous êtes en train de voir ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses sur votre écran, je pense. En tout cas, vous voyez ce qui se passe. Ok. Merveilleux. Est-ce que la musique ça va parce que vous avez pas répondu? Je demandais de l'aide pour un oignon. Mais parce que je savais pas si ça allait comme oignon.
J'avoue que tu m'as pas répondu, donc au final, voilà, quoi. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai mes deux parents qui aiment cuisiner. Normalement, voilà, c'est pas le cas, mais moi, mes deux parents adorent le... adore la cuisine. Donc les deux cuisinent beaucoup, mon père et ma mère. Voilà, sauf que j'étais une quille pour cuisiner au début, vraiment. Hein. J'étais pas très fort. Et ensuite, je sais pas, j'ai commencé à kiffer faire de la cuisine. Après, bah voilà, vous voyez où ça nous a mené. Hein. On fait super bien des burgers, mais alors quand on parle de lasagne, c'est... Ah, si vous aussi... si vous connaissez une centrale nucléaire, bah c'est à peu près ça. Ok. Merveilleux. Bon. On a notre ricotta, on a nos épinards. Oh, il faudrait qu'on les égoutte encore un peu. Hein. On s'en est pas trop mal sorti. On n'a pas beaucoup d'épinards. Hein. Parce qu'on en a perdu la moitié dans ce patchwork de mort là. Quel enfer. Ok. Mettez la ricotta dans un bol et écrasez-la à la fourchette. Il ne vous reste plus qu'à faire le montage. Alors c'est parti pour le montage. On a nos épinards ici. Notre ricotta ici. On va essayer de se faire un truc à peu près joli. Bon, tes yeux, ils me cassent les dents. Là. Allez hop. Ah non, c'est bon. On aura besoin de vous pour la mousse au chocolat. Donc pour l'instant, vous pouvez faire un peu de place. Hein, ça va 2 minutes. Au bout d'un moment, faut pas déconner. Non plus. Perso pour les lasagnes, je fais une bonne sauce et j'empile. Ouais, bah je crois que c'est à peu près ce qu'on a fait. Je crois que c'est à peu près ce qu'on a voulu faire. On a voulu faire, ouais, voilà, ce qu'on a voulu faire, pas ce qu'on a fait. Bon, nos épinards sont ici. On a notre ricotta là. On a notre plat ici. On va avoir nos pâtes ici. C'est quoi ça? C'est la bière, faut pas que vous la voyez. Voilà. Voilà. Et puis quoi d'autre? On a ça, on a ça. On mettra la tomate ici. Bon bah c'est magnifique. C'est parfait. Sérieux ce qu'on est en train de produire. Ok. Bon qu'est-ce qu'ils disent? Comment elle est notre sauce là? Non, faut faire un peu là, ça chauffe. Bon de toute façon on va mettre ça au four, donc au final pas grand chose. Je vais rajouter un petit peu de passata quand même parce qu'elle me paraît assez... Il me semble qu'on en a pas énorme. Et puis voilà, bon. C'est merveilleux. C'est merveilleux ce qu'on est en train de faire. Versez une cuillère à soupe d'huile au fond du plat. Mettez une feuille de lasagne, une cuillère à soupe d'huile d'olive et une autre de lasagne. Alors attends, vous êtes d'accord avec ça, vous? Vous avez souvent des idées divergentes, donc bon. Je vous permets quand même de vous demander avant. Ah non! Attendez. C'est bon. Non. Ah bah vous faites pas pareil. Putain. C'est pour ça que j'aurais pas dû faire des lasagnes. Ça c'est la mauvaise idée. Hein. Bon bah vous faites quoi du coup? Vous faites comment? Ah mais j'aurais dû faire, je sais pas, j'aurais dû faire des pâtes carbo quoi. Ça, au moins personne gueule. Petite pâte carbo puis voilà. Non mais parce que Tef il m'a dit de mettre de la sauce avant. Ça dépend de la sauce. Bah là, notre sauce, c'est ça. C'est de passata. C'est notre sauce tomate. Qu'il va falloir qu'on mette dans un bol. Notre ricotta et nos épinards. Ah, c'est ricotta épinard. On a dit ricotta épinard. Hein. C'est des lasagnes VG. Donc, voilà. Des lasagnes VG. Non mais je pense pas qu'on va mettre, on va mettre de l'huile d'olive. T'es pas obligé de mettre de l'huile. Ouais voilà, mais oui au fond c'est la sauce. Les épinards ont l'air secs. Ah, c'est pour ça que... Non non, ils sont bien mouillés. Hein. C'est la pâte avec quelle sauce? Bah ça. On a juste ça. On a notre sauce tomate. Parce que bon,
C'est tout, hein. On a la sauce tomate, nos épinards, nos ricotta qu'on est censé mettre ensemble. Du coup, voilà. Donc, l'huile, ouais, l'huile, ça me paraît un peu bizarre aussi. Donc, je vais mettre un peu de sauce. Voilà. Bah, je sais pas, c'est eux qui ont dit. Moi, je suis la recette, hein. Je ne fais que suivre la recette. Gueulez pas. C'est pas ma faute s'ils font de la M. Pour les lasagnes, c'est sec, tes épinards. Bah, c'est pas pour ça qu'on met de la ricotta. Vous êtes tellement dur avec moi. C'est bon, vas-y, nique sa race. On va arrêter de la cuisine maintenant. Vous m'avez saoulé. Non, je dormais là-dedans. C'est tellement dur avec moi. Trop des bâtards. À base de crème ou de lait. Bon, j'en ai, hein, au cas où. Mais bon, on a cette sauce tomate. Maintenant, faut bien qu'on l'utilise. Beaucoup trop de sauce tomate. J'ai pété un câble. Vous vous souvenez du moment où j'ai dit je vais mettre un peu de patata parce que j'en ai pas assez? Paf. On voyage, hein. Franchement, on voyage, hein. Ouais, moi aussi, je préfère, mais bon, écoutez, voilà, quoi. Sauce tomate et pita. Allez, c'est parti. C'est parti, mesdames et messieurs, on va passer un bon moment. Alors. Mais elle est hyper... Ah, c'est très liquide, hein. Bon, c'est parti. Nique. Bon, ça va être long. Ok. Je sais pas combien faut mettre. Oh, c'est merveilleux ce qu'on vit. Hein. C'est incroyable. Il y a ma copine qui a un cours à côté. Je pense qu'elle a. T'as pas un pinceau. Je suis pas Picasso, les gars. Faites un effort. On va faire ça à la bonne franquette. Ok, faut que les patates. Bon, vous pensez qu'il y a assez? Je vais peut-être en mettre un peu plus. Je vais peut-être remettre encore une bonne cuillère là. Vous m'avez dit un peu de sauce, donc c'est un peu de sauce. Ok. Quoi non? Quoi non? Quoi non? Au fond, c'est pas beaucoup. Donc j'en enlève là? Mais là, il n'y a pas beaucoup, hein. Là, franchement, les gars, il n'y en a pas beaucoup, hein. Non, là, vraiment, non. Là, il y a un fond, hein. Vraiment, hein. C'est genre... Voilà, quoi. Non, il n'y a rien. C'est bon. Fais comme tu le sens de toi. Moi, je suis sûr que c'est bon, là. Ça va être merveilleux, elles ont l'air trop bonnes ces lasagnes. Allez hop! Oh putain, il y en a trop. Mais non, ça va aller très bien. Alors ouais, ça c'est le problème d'avoir du rond. On va en casser une en deux, regardez. Paf! Ça s'est cassé en plus que deux. Ok. Bon. Ensuite. Ah, c'est des grands moments de cuisine, hein. Allez hop. Voilà, on l'a fait un peu à la bonne franquette. Oh, moi, alors, en tout cas, sachez que je passe un super moment, hein. Je pense que vous avez envie de vous tirer une balle dans les couilles. Mais moi, ça m'amuse, hein. T'as pas fait ce que j'ai dit pour les pâtes. Ah ouais, merde, j'ai oublié. Mais les prochaines, on fera. Mais là, de toute façon, vu qu'elles sont au fond, ça ira. Mais il faut qu'on refasse cuire de l'eau, là. Oh. Pas que ça à foutre, hein. Bon, d'accord. C'est vrai. On va écouter...
la technique de tes fous. On va les faire cuire un peu. Alors, hop. Mais du coup là, on va se regarder dans le blanc des yeux le temps que ça cuise. Ah, oh, c'est un bon moment qu'on passe. Hein. Putain, mais c'est trop bien, il a une cuisine. Il faut que j'en fasse tous les jours. C'est incroyable. Bah, pour maintenant, fais pas Osef. Ah, si! Ah, non, 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 vous m'avez donné un conseil. On le tient. Pour qu'elle rameusisse ses jambes. Oui, mais faut qu'elle cuise l'eau. Non, mais ça va aller vite. Bon, pour l'instant, on va faire ça. Ok. Donc, on a mis la lasagne. Alors, maintenant, on va mettre quoi? Les épinards, puis la ricotta? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai oublié, j'ai plus, je lis plus. Mais parce que la recette, déjà, on a arrêté de la suivre. Hein. Non, Tef, t'as donné un conseil. Ah, Yabano n'est pas d'accord avec ça, d'accord. Sauce tomate, épinard, lasagne, ricotta. Bon, on va mettre un peu d'épinard. Ok. Oh, quel bon moment, putain. Putain, on dirait vraiment que je sais pas cuisiner, hein. C'est incroyable, hein. Mais moi, je sais pas combien il en faut. J'ai jamais assez d'épinards, ton père. Faut que je fasse des trucs que je sache faire, en fait. Parce que je sais faire. Bon, on sait pas cuisiner, puis on sait pas parler français non plus. C'est bien dommage. Oh là là, c'est chaotique. Oh, mes aïeux. Je suis obligé de faire des grosses couches. Non, mais là, c'est pas gros. Hein. Peut-être que vous avez l'impression que c'est gros, mais vraiment... Vraiment, c'est pas gros. Hein. Vraiment, c'est loin d'être gros. Hein. Oh non, alors là, vous inquiétez pas. On est bien, là. Hein. On va remettre un petit peu. Putain, mais j'ai jamais assez d'épinards. Mais j'avais 500 grammes. Ils sont tous partis dans la putain de passoire. Mais pas autant. Mais vous êtes insupportable. Mais non, mais là, y a rien, les gars. Hein. Attendez. Regardez. Regardez à quel point c'est pas épais. Je sais pas si vous arrivez à bien voir à la cam. On n'a rien fait là, hein. C'est pas grand chose, hein. Vaut mieux plein de petites couches que des grosses couches. Ah, d'accord. Oui, mais t'as peu de quantité. Ok. D'accord. Du coup, j'arrête. Je vais bien l'étaler. Je vais bien l'étaler le truc. Alors maintenant, on met quoi? Est-ce qu'on met la ricotta tout de suite? Ou alors on met les pâtes de lasagne de nouveau. Et ensuite on met ricotta, etc. On met la ricotta tout de suite. Let's go. Okay. Ok, on va mettre ça pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Ah. Après, ça se casse. Évidemment que ça va se mélanger avec les épinards. Je vais dire les espagnols. Je suis vraiment fatigué, hein. C'est quelque chose, hein, ce qu'on vit. C'est une expérience, hein. Il y a des endroits où il n'y a rien. Tu mets moins d'épinards mais tu mélanges avec les ricotta. D'accord, ok. Ah, je crois qu'on est pas mal niveau eau pour les pâtes. Ok. Pourquoi tu fais que de l'asiatique, Yabano, dans ton...
ta boutique. Ah, et les gens qui passent, qui sont en mode « T'as trop bien, je vais en apprendre sur la cuisine aujourd'hui, je me réjouis. » Après, ils arrivent sur le stream. Ils sont en mode « Ah ouais, c'est marrant de cuisiner mieux que le mec qui fait des live cuisine. » Ok, pouf. Ensuite. Voilà. Je vais avoir tellement à laver, je déteste. Je les plonge 30 secondes, parfois, moi, ça suffit. Casserole, putain. Ok, c'est pas grave. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, si, c'est trop petit, mais c'est pas grave. Je fais beaucoup de tests depuis que j'ai 8 ans. Non, mais ça, je pense bien, mais... Ça te plaisait pas de faire plus, de faire autre chose? Ok. Allez, on la reprend. C'est chaud. Je vais les prendre avec ça. Mais merde, parce que j'ai oublié de baisser le feu, quel con. Voilà. Ensuite, c'est reparti pour la deuxième. Tac. Après, je pourrais plus les casser. Il faut qu'on les casse, hein. Ça rentre pas, là, hein. Ou alors, est-ce que ça va si j'en mets juste deux, là et là? Ça fait un peu bizarre, non? Putain, vous voyez rien parce que j'ai un trop petite cam, là. Juste pour ramener, ça absorbera mieux. Ok. Et vous pensez que deux, ça suffit seulement ou faudrait qu'on mette plus? Genre là et là. Ça mérite quand même un peu plus de pâtes. Qu'est-ce que vous en pensez, mes petits... Ça dépend ce que t'as comme feuille. J'en ai plein. On s'en fout. Place comme tu peux. Ok. Mais du coup, par contre, ces petits bouts-là, je vais pas pouvoir les mettre dans... Je vais pas pouvoir mettre. Hein. Ça va prendre trop de temps. Parfait. On voyage, hein. Oui, oui, c'est pour ça que je me dis que c'est plus petit, donc ce sera pas tant un souci que ça. Ensuite, on va mettre notre sauce. Un peu plus quand même, on va pas déconner. Moi, je les casse chaudes. Ah! Ouais, une si mauvaise idée. Mais tu peux quand même les casser même si elles sont ramollies? Mais bon, mais c'est pas... Vu qu'elles sont plus petites, ça ira. Non, non, pas trop. Ouais, ouais, c'est bon. Vous avez bien vu que c'est un live cuisine où vous cuisinez mieux que le liveur, enfin, que le streamer. Donc bon, le liveur. Voyage, hein. Bon, ok. Ensuite, faut mettre les épinards maintenant. Hein. Il fallait remettre de la pâte. J'attends avant d'en mettre plus. Non mais non, mais bon. Non, fallait mettre des pâtes. Hein. Non mais là, il n'y aura rien entre les pâtes et ça. Non, non. On peut pas juste mettre des pâtes. Il n'y a pas assez de sauce tomate. Y'a pas assez de sauce ce matin. Ok. Allez, on voyage. C'est un enfer. Putain. Prochaine fois, je refais des trucs que je sais faire. Non mais c'est comme ça que c'est drôle. C'est comme ça qu'on rigole. C'est pas ça qui va amener des follow, mais au moins nous on va rigoler quoi. Les puristes, on va s'amuser quoi.
couvres juste les pattes et la dernière couche, tu la fournis plus. Ok. Grazie, Tef. Grazie. Faut que je m'entraîne, en fait. Je pars bientôt, là. Je pars demain, pour le coup. C'est un peu bientôt, ouais. Bon, voilà, hop. Maintenant, on va rajouter la ricotta. Moi, je rigole bien. Putain, mais il y a tellement de jugement, quoi. Mais ricotta, on en a trop comparé au reste. On va bien la niquer. Hop là. Et là, on mélange. Paf. Voilà, voilà. Il faudrait pas directement mélanger la ricotta avec les épinards, vu que de toute façon, on mélange le tout. Non mais tu t'en sors pas mal. Voilà, il est pas bizarre, il est juste différent. Faut que tu te fasses confiance, Jérémy. Fais-toi confiance, Jérémy. Ça va aller. C'est pas parce que tes copains ils disent que ça va pas aller. Voilà, c'est juste qu'ils sont jaloux, tes copains. Bon. Ok. Confiance en toi, mon garçon. En plus de ricotta. Je te jure, si, non mais je t'embête, je sais bien. Je dis des conneries. Mais non mais ils sont parfaits ces épinards, regardez, ça se mélange merveilleusement bien. C'est d'une finesse, c'est d'une c'est d'une délicatesse. C'est raffiné, c'est sublime, c'est merveilleux. Voilà. Ma copine va commencer à me dire ta gueule parce qu'elle a un cours à côté. Je ne sais guère. Plus de ricotta. C'est meilleur avec la ricotta. T'aurais pu les mélanger sans même les égoutter. Alors ça, c'est la recette. Ça, alors là, mesdames et messieurs, ce n'est pas ma faute, c'est la recette. Mais on n'a rien, on voit que les pâtes, on voit que les pâtes. Ça va être d'un sec, mon ami. En tout cas, on va voyager, hein. Heureusement qu'on n'a pas très faim. Voilà. Mais dites pas à ma copine, hein. Dites à ma copine que tout s'est bien passé si elle passe sur le chat. Hein. That everything went so great. It was crazy good, really. Like he was managing with this ricotta so good. Ok. Bon. Vinard, je les aurais mélangés aussi. C'est mon premier essai, oui. On va mettre la ricotta alors, bam! Non, c'est bon. C'est mon premier essai. Très émoustillé. On peut la dégager cette plaque? Oui, c'est bon. Cette planche. Commencez doucement à me les briser. Ok, voilà. It is great. It is absolutely great. You are making such a nice job, man. I'm so proud of you. Incroyable. Mais ça a l'air délicieux. Vu ça a l'épaisseur voilà quoi. Oh, j'allais dire quelque chose qui était pas bien sur Twitch. Ok. Bon. Faut quand même qu'on fasse gaffe. Alright. Bien là dit. Ok. Bon. J'ai fait cuire une petite pour Tef. Pour qu'il s'énerve pas. Vous avez vu, je pense à vous. Oh là là. Je suis désolé, j'ai touché le micro. Ça a dû être une expérience particulière, hein, je m'en excuse. Non, it smells like chi. Non, je suis en train d'espérer, non. It smell. Putain. Non, je vais pas juger l'anglais quand même. Mais bon. On voit pas ta bouffe en Chine, quoi, tu vois. Parce que s'ils te demandent de l'anglais. Tu m'énerve pas. Mais j'ai fait quoi encore? Putain, mais c'est pas vrai. Ok.
paf. Non, je rigole, Yabano. Dans la bienveillance et la gentillesse. Juste ta cuisine, juge son anglais. C'est vrai qu'on peut juger dans les qualités de chacun et chacune. Voilà. Un très mauvais anglais. Mais non. Pour toi, juste it's smelling. Parce que c'est du present. Merde, c'est du present quoi? Present continuous ou present perfect? C'est present perfect, mais j'en sais rien. Bref. Bref, quoi. Ok. Oh là là, vous avez vu comment je dis. Ah, on commence à avoir le 1, hein, le coup de patte. Paf. Je les casse plus en 15 morceaux qui partent partout dans la cuisine. Voilà. Oh, puis pour le cadeau, hop, voilà. Ces cadeaux, c'est pour vous. Mais non, je sais bien que tu t'énerves pas. Ça commence à avoir de la gueule. Ça ressemble à quelque chose, là, non? Je suis abattu. Ok. Quoi? Aucun des deux. Mais attends, It's smelling. It's pas... C'est past continuous. Present continuous. Non? Présent continu, ça veut dire que ça continue maintenant. Ça continue à arriver. Oui, enfin bref, merde. De la sauce. Bon, je sais pas jusqu'à quand on pourra. Enfin, combien de couches on pourra faire, hein? Oh merde, j'en ai mis trop là, non? Je crois que j'en ai mis un peu trop. Merde. Ah non, ça ira. Ça va aller. Oh, c'est un coup de trafalgar là, toutes ces mini coupes en plus. Je sais plus en vrai. Non, je crois que c'est pas present continuous. Si je dis pas de bêtises. Il me semble en tout cas. Il me semble que c'est present continuous. Le présent continue. Donc que ça. Oui, non, il me semble que c'est ça. Si je ne m'abuse. Quand même censé celui qui. Je suis qui fait des études en anglais, mais bon. Je connais pas les termes, je connais juste les règles. C'est tout. Ah. Merde, on a pas mis trop de titres cette fois-ci. Mince. Désolé d'ailleurs. Pourtant, je pense qu'il y avait de quoi, mais... J'ai oublié de mettre des titres, là. Merde. Aïe, aïe, aïe. Quelle indignité. Nous sommes sur service public, quoi. Là, j'aurais voulu le mettre en vrai en sound alert celui-là. Quelle indignité. Terrible. Bon, ça commence à avoir un peu de gueule tout ça. Ça a toujours l'épaisseur d'une huître, mais. Mais bon. On n'est plus à ça près, quoi, au bout d'un moment. Mettre le micro un peu plus proche. Ah, le petit mec de Mario Galaxy ne cache plus du tout le doodle. C'est pas grave. Si doodle vous passez par là, n'hésitez pas. Vous aurez une pub merveilleuse pour 5 viewers. Je pense que ça va vraiment booster vos ventes. Tout le monde a dit qu'ils allaient acheter le jeu demain. Et voilà. N'hésitez pas. Essayez de pas être drôle, c'est fini. Waouh. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, c'est ça l'ambiance. Bravo. Waouh. Ah ouais, permettez-moi. Ah ouais, d'accord. Non, je pense que la prochaine c'est la dernière en effet. Je pense que la prochaine c'est la dernière. Non, la prochaine je pense en effet que c'est la dernière et ce sera amplement suffisant. Est-ce qu'on va on va peut-être déjà préchauffer le four, mesdames et messieurs? Vu qu'on est là. Vu qu'on est là, on va déjà préchauffer le four. Merde. Alright, on préchauffe à fond. Mais ta grand-mère. Arrête. Merci. On va
oublié ma bière, tiens, j'ai oublié de boire. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah merde, ils mettaient de la mozza dedans. Parce que c'est vrai qu'on a la mozza. Mais ma copine, elle aime pas la mozzarella. On s'en fout. Attendez. Oh, c'est bon. Ça va. Moi, j'ai toujours commencé à dire, quand vous cuisinez pour les autres. Pour qu'ils passent un bon moment. Mais pas tout le temps. C'est les besoins des courses, pas ça, c'est pas grave. D'accord. Et moi, je vous demandais à combien on met le truc. 180 degrés pour 40 minutes de cuisson. Ah, c'est long, hein. C'est long, hein. 180, c'est parti. Oh, qu'est-ce que c'est long, 40 minutes. Je me disais que ça manquait de fromage. Bah ouais, mais on a oublié de mettre le... Mais on le mettra que sur le dessus. Pas grave. C'est parce que ma copine, elle aime pas trop. C'est pour ça que j'ai pensé à elle. Oula, calme-toi, calme-toi. Doucement. Vu que ma copine n'aime pas trop la mozzarella fondue, ce qui est une horreur hein, d'ailleurs, on va pas se mentir, j'avoue que j'ai hésité à m'en séparer à ce moment-là, mais enfin bon. Fait que je fasse. Parce que pour le coup, quand on va dans une pizzeria, donc là on va aller à Rome, ça va être merveilleux, on va passer des moments merveilleux, et puis on va vouloir se faire une petite pizza, c'est normal, c'est voilà, c'est la vie, c'est l'artiste et tout, c'est le bonheur de l'Italie. Et bah, quand vous allez prendre une pizza normale, genre une mozzarella, un classique, ou alors vous allez prendre une jambon champignon, une napolitaine, vous allez faire quelque chose de sympa, vous allez apprécier ce fromage fondu, ce mélange, cette sauce tomate délicieuse. Et bah ma copine, elle va prendre une marinara. Une marinara, c'est clairement de la pâte avec de la sauce tomate. Elle va me dire, oh quelle délicieuse pizza, on sent bien l'ail. Voilà. Non, c'est dur, hein. Franchement, tous les jours, c'est dur, hein. Moi qui me faisais des gratins, quand j'étais seul chez moi, je me faisais des gratins de pâtes avec du cheddar, de la mozza, tous les fromages fondus qui existaient. Des gratins de tout, des gratins de légumes, des gratins des gratins d'ongles, j'en sais rien, de tout. Un bonheur. Quelle déception. Quelle vie, quoi. Bref. Mais la vie est belle. C'est quand t'es un bon français habitué au fromage. Non, non, toutes ses potes adorent le fromage fondu. Hein. Non, non, s'il y en a une qui est gentille, moi j'avoue que je vais pas faire des noms à quelqu'un. Bon, il est où le fromage fondu, là, la mozzarella? Moi j'ai fait une John Travolta, là. Pire imitation. Ok. T'en mets au-dessus, mais quand même, si t'en mets qu'au-dessus, en mettant quand même une certaine quantité. Non, non, je vais en mettre là aussi un peu. Je vais en mettre aussi un peu. Mais non, mais elle aime pas trop la mozza, donc on va pas en mettre beaucoup. On pense à sa copine avant tout. Mais oui, VG, c'est pas vegan, hein. Puis bon, enfin, si c'était vegan, la ricotta, c'est quand même limite, hein. Si je puis me permettre. T'as mis de la farine. Quoi? Pour vous raconter encore. Une vanne, non? Dire vos conneries, là. Ok, let's go. Faut que j'ouvre le paquet en plus. Je suis au courant, merci. Oh, il s'enrouille. Ah, vous enrouillez pas, hein. Vous énervez pas, hein, les coquins.
Oui, c'est une vanne. Ok, ouf. On pète un câble, là. On reste serein, on reste tranquille ici, hein. On s'aime tous. Ok. Et regardez, on a un moment merveilleux devant cette merveilleuse recette de cuisine. Pourquoi vous vous énervez? C'est de la farine partout. Ah bon, j'avais dit ça? C'est possible. Ça me ressemble, ça me ressemble. Ça va falloir faire de la place pour la mousse au chocolat, hein. On va voyager, hein. Pouf. Ok. Tef, il s'est énervé. Tef, reviens! Il nous manque! Il est parti bouder? Il est parti bouder, Tef! Je t'avais conseillé les frites et dans tes steaks. Ah oui, tu m'avais conseillé dans les steaks parce que dans les frites, je me rappelais, mais. Mais voilà. Cherche par mon chéri. Ah d'accord. Bon, bah alors ça va. Je croyais que tu boudais. Alors c'est bon, continue à parler à ton chéri. Tu l'embrasses bien pour moi. Hein. Enfin, tu lui dis salut. Il galère à mort. Aïe. Mais tu peux pas lui parler sur ton téléphone? Ah oui, t'as un téléphone aussi toute la cause. Un téléphone grec. Toute la cause. Et j'ai envie de rejouer à Death Door, là. En fait, j'ai envie de rejouer à Zelda. J'ai envie de refaire des matinales Zelda. J'ai envie de me... Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recuit une pâte. Terrible. Bon, bah, on va casser les pâtes chaudes. Comme Tev voulait, on va casser les pâtes chaudes. J'ai trop envie de passer en mode streamer matinal. Bon, alors pour les live cuisine, non. Pour les lives un petit peu événements comme ça marchera jamais ou tout ça, on va garder le format plutôt le soir. Mais le reste du temps, je crois que je vais vraiment faire des lives le matin, faire des lives matinales. Je trouve qu'il y a un meilleur mood, je préfère. Il y a aussi, il faut le dire, plus de monde. Après, évidemment, il y a plus de monde, mais les gens font souvent des choses à côté, donc c'est pas forcément quelque chose qui se ressent dans le chat, mais même, je sais pas, je trouve j'ai une meilleure ambiance à faire ça le matin que plutôt le soir. Mais voilà. Tu ranges la boutique. Bah écoute, merci beaucoup d'être passé, Yamano. Passe une bonne soirée, bonne chance pour le rangement, merci beaucoup pour tes conseils et ta présence, merci infiniment. J'espère que tu as passé un bon moment malgré tout. Et puis à tout bientôt, des bisous, je posterai le planning sur Discord, sur Twitter, donc n'hésitez pas, point d'exclamation Discord, point d'exclamation Twitter, si c'est plus simple pour vous de suivre Twitter plutôt que Discord. N'hésitez pas, je vous placerai le planning en fin de semaine. Je pense qu'il n'y aura pas de live jusqu'à la fin de la semaine, peut-être un dimanche, sachant qu'on a l'avion à 6h du mat, mais voilà quoi. Je suis bien amusé. Eh ben, c'est merveilleux. On est là pour ça. Hein. On est là que pour ça. Des gros bisous, mon Yamano. Bonne chance. Ok. Bon, alors là, c'est la dernière, donc on va envoyer. Hop. Merde, j'ai pas mis la sauce tomate. C'est terrible ce qu'on est en train de vivre. Hein. Non, mais c'est pas grave. C'est parce que la dernière, il faut mettre la sauce tomate après. Non, ça va pas le faire. On abandonne. Vite. On reprend. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà. Ni vu ni connu. C'est merveilleux. Tu fais déjà non. Mais non, regarde. Qu'est-ce que je vois pas de quoi tu parles.
parfait. Sur l'arbre, c'est pas grave. Non, mais on va garder un petit peu de... Voilà. Voilà. Je vais pas remettre de pâte, on est d'accord, hein. Ou alors, il faut une dernière couche de pâte au-dessus. Magnifique. Bon, on a notre sauce tomate ici. Merveilleux. Alright. Micro ici. J'espère que vous entendez bien. J'espère que le setup va bien aussi. Rien fait. Mais non, mais regarde. Moi, je sais pas. Excuse-moi, mais. Pas vu, pas pris, hein. C'est une règle d'or, hein. Y a aucun problème là-dessus, hein. Bon. Merveilleux. Oh là, il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de sauce, mais c'est pas grave. On est gourmand. On est gourmand. Combien pas de pâte. Ok, bah je vais éteindre le feu. Ok, le four est prêt en plus, c'est merveilleux. On va finalement mettre ces épinards qui ont attendu si longtemps. Ces pauvres épinards. On les embrasse. Hop. On va mettre les épinards. On va bien les aplatir avant. Pour que ça soit plus facile à mélanger. Il y a un nombre de sauces tomates là. En voyage, hein. On va envoyer toute la ricotta, ça va être beaucoup trop. Comparé aux épinards. Putain, mais j'aurais dû prendre plus d'épinards. Bizarre. On avait bien, hein. Par rapport à la ricotta, pour le coup, je pense qu'on en a peut-être pas mis assez de ricotta. Parce que si on suit la recette, on a bien, bien assez d'épinards comparé au reste, quoi. Mais bon. On voyage. C'est important, le voyage. Très important, le voyage. Ah, sur la dernière couche, c'est pas grave qu'il y en ait beaucoup. Eh bien, c'est merveilleux, alors. C'est parti. Ça va transpirer sur le reste. C'était fait exprès. Paf. Voilà. Les feuilles de basilic, on les mettra après, à la fin, après cuisson, je pense. Pour que ça soit juste une petite décoration en plus. Voilà. Mais il marche bien, le chat. Je suis content. Étonné, certes, mais content. Donc c'est une bonne nouvelle. Alright. La mozzarella, elle est là. On la mettra à la fin. Et oui, j'ai quand même l'impression que ces épinards étaient un peu secs, hein. Parce que ça se mélange pas beaucoup, hein. Ah, y a déjà toute la sauce qui est partie sur le côté. Mais bon. On va voir. Écoutez, pour une première de lasagne végétarienne, je suis plutôt content. On verra ce que ça donne sur le reste, mais voilà. Ça fonctionne, mais mon ordi galère. Bah écoute, tout peut pas marcher à chaque fois, Tef. Ah, mais vous voyez pas assez. Putain, mais fallait me le dire que vous voyez pas. Voilà, on va vous mettre ça bien au milieu. Quand même. Pour vous, ce live, c'est pas fait pour moi, hein. Moi, je mange, hein, c'est tout. Ok. Merveilleux. Donc, on a tout ça, on va mettre la mozza. Elles sont bien, t'inquiète. Bon, très bien. On va mettre de la mozza. J'espère que ma copine n'entend pas ça. Désolé, chérie. C'est... Pour, voilà, pour que ça soit meilleur, promis. Même si tu n'aimes pas la mozza, c'est quand même mieux. Voilà. Pas magnifique. Bon, vous savez quoi, en fait, en tant qu'affaire, hop, voilà. Il y en a plus, il y en a encore. Ah, merci. Merveilleux. Bon, bah écoutez, elles sont pas mal, ces lasagnes. Attendez, je vous les montrer à la webcam, à la cam. Vous les avez ici, vous les avez ici. Ça ne ressemble à rien pour l'instant, c'est un bonheur. Et donc on va enfourner ça alors pour 40 minutes. On va quand même regarder l'heure, il est 20h03, donc on va regarder à 20h, on va rejeter un petit coup d'œil à 20h30 pour voir comment elles vont. Et puis voilà. Bravo à tous. Bravo à tous et merci pour les conseils, surtout. Bon, maintenant,
Les emmerdes commencent. La mousse au chocolat. Ça veut dire que ça, c'était censé être le truc facile, quoi. Mousse au chocolat, donc aussi quelque chose que je n'ai jamais fait. Merci à tous. Mais on va passer un bon moment. C'est ça qui est important. Et qu'on va passer un bon moment. Surveiller, ce sera peut-être moins vu ton plat. Ah oui, aussi. Ok, ok. Bon, le bain-marie, il faudrait quand même que je vous montre ça, hein, pour le coup. Quand même important que je vous montre ça. Mais non, t'inquiète. Comment ça? Ah, pour la mousse au chocolat? Non. Je fais un peu de storytelling, mais... J'avoue que j'ai pas trop peur de rater une mousse au chocolat. Normalement, ça devrait être fait. Je vais me laisser un petit peu de temps pour faire un peu de place pour avoir un plan de travail plus propre. Je vais voir comment on est au niveau des casseroles. Bon, est-ce que vous pensez que cette casserole-là, c'est assez pour faire le bain-marie? Je pense, hein. Ah, ça me paraît peut-être petit, hein. Je pense que ça sera mieux. Celle-là sera meilleure. On va faire avec celle-là. Je vais la laver. On va se faire ça ici. Là, ouais, j'ai un plan de derrière, en fait. Ça pourrait être sympa d'avoir un plan de derrière. Donc le reste de te retourner au bol au-dessus de la tête. Hein? Au-dessus de la tête? Oula! On se tient où je veux, hein? Comment je peux faire du divertissement quand je suis en train de laver une casserole, hein, mais bon. Voilà. Il y a des Ezekiel qui partaient en Australie aujourd'hui. Non. J'ai oublié de lui envoyer un message parce que je me suis fait la remarque, tiens, c'est bizarre, des Ezekiel qui adorait les lives, enfin qui adore le live cuisine qui est pas là, mais là elle est on her way to Australie. Putain, incroyable. Faudra qu'on je lui ferai un message sur Discord. Putain, c'est incroyable. Trop cool. Trop trop bien. N'hésitez pas à lui envoyer un message sur Discord, hein. Oui oui, non mais je sais, non, ça va. Quand même. Tu as fait un peu de cuisine. Bon, c'est parti. Cassez le chocolat en morceaux et faites-le fondre en bain-marie avec la crème. C'est ça qu'elle est pas là, oui. Ah, mais en bain-marie, En bain-marie, c'est quoi, déjà? En bain-marie, il faudrait que j'utilise une grosse casserole, du coup. Bain-marie, je dois mettre une grosse casserole et puis mettre le... l'eau autour, merde. J'ai comment pour faire ça, moi? Peut-être utiliser cette casserole. Oula, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est bon. Peut-être utiliser cette casserole-là qui est un peu plus grande. Il fera sûrement mieux la faire. Et puis, on va les mettre dans. Parce que, attendez, bain-marie, c'est. On met de l'eau chaude ici, ensuite on a un bol et on le pose au-dessus, c'est ça? Il me semble. J'ai quoi comme bol? Non mais j'ai peur que j'ai que des bols qui déglinguent, en fait. J'en sais rien si j'ai quelque chose qui va dans la casserole d'eau. Ça va dans la casserole d'eau? C'est un bol Ikea. Je suis pas sûr que j'ai un bol pour faire ça, en fait. Une grande et une petite casserole. Ça va comme ça, hein, mais ça tient comme ça, quoi. Ouais, ça doit le faire, ça.
Je pense que ça doit le faire, ça. On va faire comme ça. Parce que le problème, c'est que la toute petite casserole, elle a ce pied. Donc ça va être un peu embêtant. C'est de l'eau bouillante, hein. Alors attendez. Parce que déjà, on va casser le chocolat là-dedans. Est-ce qu'on met de l'eau chaude là-dedans, on la fait bouillir, et ensuite, dès que c'est... À cause de mon PC, mais il n'y a aucun souci, mon TF. Pas de souci, il n'y a pas tant de décalage que ça, hein, ça va. Mais du coup, on met l'eau chaude ici, on la fait bouillir, ensuite on rebaisse le feu ou... Ou alors on met juste de l'eau chaude et on met à feu doux. Alright. Moi je suis pas un fan de chocolat noir normalement, mais bon, pour une mousse en vrai ça va. Moi je le fais bouillir, ok, alors on va faire ça. On va pas en mettre trop non plus, sachant qu'on va avoir la casserole dessus. Comment ça donne si je me mets là? Ah, ça touche à peine, donc non. Ah, quelle mauvaise idée d'avoir fait ça. Hop. Terrible. Voilà, let's go. J'espère que la musique n'est toujours pas trop forte. Je vous laisse me tenir au jus. Ok. Ça va là. Et magnifique. Je crois qu'elle fout descend le feu. Ouais bon ça va. Tiens, mais ça a déjà commencé à cuire. Merde, au secours. Au secours. Bon, c'est du 64%. C'est pas le plus chocolat. C'est pas le plus voilà pur des chocolats noirs. Et voilà. Ça fera totalement le taf. J'avais hésité à faire avec du chocolat blanc, mais bon, ma copine n'est pas fan de chocolat blanc. Elle trouve que c'est trop sucré. Quoi ? C'est de tout, hein. Paf, paf, paf. Tac. Hop, voilà. J'adore le chocolat blanc, merci. Moi, je suis un grand fan de chocolat blanc. Et alors, encore plus de mousse au chocolat blanc. Je trouve une des meilleures inventions du monde, mais bon. C'est de plaire à sa clientèle, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Avec la crème, alors la crème, c'était combien qu'il en voulait de la crème? Il me mettait 10 centilitres de crème. Alors. Ça. On est en litres. Donc 10 centilitres. C'est. 0,1 litre. Ok. On a fait des écoles. On a fait l'école. Hein. On a fait l'école. Hein. Ok. Right. Donc 10 centilitres de crème. Mais en vrai, on a un peu plus de chocolat. Parce que eux, ils me disaient combien? 250 grammes. Ah, on a moins de chocolat. On a 180 grammes. On va en enlever un petit peu. Voilà. On va en enlever un petit peu. Bon, elle en est comment, l'eau? Ça bouge gentiment. Ok. Il faudra aussi qu'on gère les œufs. Donc je vais déjà prendre les œufs ici. Hop. L'eau est en train de bouillir, donc on va pouvoir s'en occuper. Ah, faudrait que j'ai une troisième webcam qui ait une vue sur le plan de cuisson.
quand on aura de l'argent promis. Quand on aura des subs. Quand on aura beaucoup de subs. Attends, ah bah ça marche plus le chat. Je réactualise. Il faut que ça marche quoi. Merveilleux. Bon, j'espère que vous passez un bon moment. Moi c'est drôle. Voilà. Ensuite je vais mettre à feu doux. Je vais mettre à 3. Ou même à feu très doux. Voilà. On va rajouter la crème. Et c'est ça là. Et on va placer notre. Et merde, il y a trop d'eau. Parti pour enlever de l'eau. Quelle vie d'artiste. Ta gueule. C'est forcément un bon moment, évidemment. Peu doux. Ok. Merveilleux. Alors, allez où notre fourchette, notre cuillère, pardon. Alors, vous savez quoi, peut-être pour le temps qu'on remue ça, je vais vous bouger la webcam. Ces cadeaux, c'est pour vous. Ok. 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 J'espère que ça va aller. J'ai été obligé de le mettre là parce que vous voyez ici qu'il y a encore tout. Il y a un peu tout de câble, tout plein de câbles. Du coup, j'ai pas pu faire ça. Mais voilà. Remuer gentiment. Même laisser le feu carrément. Il y a peut-être beaucoup de crème. J'ai pas plus de chocolat. Hein. Donc tant pis. Tant pis. Mais du coup, je vous lis pas. Tant pis. Tout est un tant pis, c'est pas grave. D'accord pour le chocolat, comment ça a l'air tellement bon. Ça a l'air incroyable. Quel bonheur. Quel bonheur, sérieux. Attention pas que ça colle en bas. Ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que vous dites? Toujours une cuillère en bois pour ça. Ah! D'accord. Pourquoi toujours une cuillère en bois? Enfin, pas que j'en mette en cause, mais juste pour savoir. Mais c'est vrai que j'avais lu ça en plus. Bon, vous savez quoi, on va manger ça. Hein. C'est très bon. Voilà, ça c'est gourmand et croquant, hein. Ça, vous pouvez voir un peu mieux quand même. Les sorties n'animent pas de soucis, mon pef. Ne fais pas de soucis. Tout va bien, c'est pas grave. C'est cool. Ok,
on va attendre que ça soit bien liquide, que ça soit bien homogène et bien onctueux. Et ensuite, on va y rajouter les jaunes d'œufs. Alors, il y a combien de jaunes d'œufs ? 6 ? 3 jaunes d'œufs, d'accord. 6 blancs d'œufs, mais 3 jaunes d'œufs, d'accord. Ça m'a l'air très joli tout ça. Ça m'a l'air très joli. Ok, on va commencer avec les œufs du coup. Meilleur pâtissier. Ah bah alors si c'est dans le meilleur pâtissier, c'est une source pure. Je le savais bien sûr. Je le savais. C'est évident. Tout le monde le sait. Ce bon vieux Cyril. Bon. Hop, je vais aller vite. Ça a l'air bon de fou. Ce bon vieux Cyril. Oh là là, j'ai peur qu'il se casse le jaune là. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, mais. J'ai peur qu'il se casse le jaune. Oh, c'était nice. Cassé là. Ouais, c'est cassé, vite, hop. Voilà, heureusement qu'on a réussi à enlever du blanc avant. Ok. Allez. Bon, ça va être dur, hein. Oh, c'est petit, qu'est-ce que c'est petit? Alors c'est pratique parce que le blanc va tomber. Salut. Le blanc va tomber plus vite. Et si le jaune casse, c'est terminé. Hein. Allez, tombe, wesh. Magnifique. Bon, on va déjà incorporer ces jaunes dans notre mousse. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Encore pour les jaunes de en fouettant. Laissez refroidir complètement. Ok. Bon, déjà, on va éteindre tout ça. Pour laisser refroidir dans le bain-marie ou enfin dans l'eau bouillante ou en dehors. À votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, non, sort du bain, tu laisses refroidir. Ok. Alors, let's go. On va carrément sortir d'ici. C'est chaud. On va mettre ça là-dessus. Prendre une fuite. Un couteau pour enlever. Bon. Voilà. On lâche la cuillère. ASMR. Okay.
Bah, ça fait des viewers. Quand je vois des meufs qui font ça, ça fait des viewers. On se tente, le jeu, on tente le coup, hein. Ok. ASMR leaking, là. Pas comme ça que ça marche, Internet. On me des trucs, moi. Oh, ça a l'air incroyable. Oh, comment ça a l'air fou, mais comment ça a l'air tout petit. Non, je... C'est bon, je sais qu'on incorpora les hublots en deux, vous inquiétez pas. Merveilleux. Bon, ça a l'air trop bon. Hein. Ça a l'air trop bon. On va laisser refroidir, on va laisser refroidir sur le côté. Comme ça, on aura de la place pour s'occuper de nos blancs d'eau. Donc, nos blancs d'eau, pardon. Voilà. Ah, 38. Il nous faut 3 blancs d'œufs en plus. Ça peut pas marcher, je pense. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas compris. Ouais! Ah oui! Ah ça! Ah oui, non, j'ai un truc en dessous. Ah ouais, merde. C'est comme ça que ça marche. Il y a cette espèce de petit truc brun là, mais bon. Je sais pas, on essaye, hein. Ok. C'est bon, ça s'est pas cassé. Vous avez une meilleure technique pour séparer les jaunes des blancs ou pas? Moi, c'est ma technique, mais je sais pas s'il y a une... Quoi? Mais pas du tout. On prend pas de risque, on prend pas de risque ici, hein. Technique un peu lente mais moins périlleuse. Ah, alors ça, ça ne me correspond pas. Ça, mon terre, ça ne me correspond pas. Nous, on prend des risques. C'est notre mojo. C'est la musique de Star Wars. Pipu pipouette. Bah alors. Pip, 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 pip. Incroyable. Pouette, 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 pouette. Ok. A failli tomber. Je sais pas si vous l'avez vu, mais... Il y a eu un beau rattrapage, hein. Pourquoi j'ai utilisé un bol alors que j'aurais pu directement le mettre dans le bol dans lequel on va faire les blancs en neige? Pour éviter d'avoir, genre, autant de putains de vaisselle. Je vous jure, vous voyez pas mon évier, mais j'ai envie de me tirer une balle, là, hein. Ça fait longtemps qu'on a commencé. Ah ouais, ça fait 2 heures quand même, hein. Ouais, peut-être qu'on commence à finir, hein. Ok. Bon bah les jaunes, on peut rien en faire, nice, super. Super le gaspillage. Quelle honte. Okay. Ensuite. On va déverser ça là-dedans. Et c'est parti. C'est parti, mon kiki. On va voyager, hein. Ça va être bien mousseux, mesdames et messieurs. Bon, c'est parti pour les embrouilles.
Ah, mais je lis, ça marchait pas. Spoiler, je préfère la mousse au chocolat vegan. Ça existe, la mousse au chocolat vegan? Ça se fait comment? Pardon, je voyais pas vos messages. Putain, si même mon chat sur le téléphone bug, c'est qu'on est pas dans la merde, hein. Et ça se fait comment, vegan? En effet. Voilà. D'accord. Tu remplaces les blancs d'œufs par l'eau des pois chiches? Ok, d'accord. Bon, c'est parti! Ça va être grandiose, mesdames et messieurs, go! Voilà, doucement, doucement! Voilà, voilà. Et on passe un bon moment, hein. Bon, bah, voyez, voilà. Voilà. Calme-toi. Putain, il est... Comment, à quoi elle ressemble, mes lasagnes, elles ont l'air pas mal, hein. Non. C'est pas qu'il fait pas de bruit, c'est que il y a un... comment ça s'appelle? Bref, il y a un truc qui fait sur mon micro, j'ai mis un filtre que normalement quand c'est pas moi qui parle, vous entendez pas. Donc vous inquiétez pas, ça fait du bruit, hein. Regardez, je vais me mettre là. Vous allez l'entendre, hein. Enfin, j'en sais rien si vous entendez. Peut-être pas. Un noise gate, voilà, noise gate. Oh, non, non, ça redescend pas, vous inquiétez. Il y a ma copine qui est venue voir. Bon. Ah mais c'est drôle que vous entendiez pas, hein, parce que c'est fort quand même, hein. Le noise gate marche vraiment bien, hein. Salut! Il est de retour. Ah, ma gobine va gueuler là, hein. Ça fait longtemps, hein. Ah oui, mais du coup, ouais, j'ai pas besoin de crier en fait, c'est vrai. Vous allez m'entendre plutôt bien. Putain, mais c'est incroyable, j'ai mis des bons filtres, hein. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Ok, la technologie, ça c'est incroyable, hein. C'est incroyable cette technologie. Ça marche bien, hein, ces petits internets là, ces petits téléphones. Bon,
C'est bon, on a ça. Bon, faut faire quoi maintenant? Par contre, j'ai un de ces décalages. Ah, mais j'espère que ça va pas de mon... ça vient pas de mon chat. J'en sais rien. T'as tapé le fouet contre. Non, mais vous êtes insupportable. Bon. Ah merde, hors de feu, ajoutez les graines de la gousse de vanille. Mélangez et laissez tiédir. Ah, on a oublié ça. Et sinon, j'ai pas de l'extrait de vanille. Désolé, hein, désolé, vous voyez rien, mais c'est la vie, hein. Ah non, merde. Délicat. Bon, bah, du coup, on a ces gousses de vanille. J'ai jamais ouvert une gousse de vanille. C'est vraiment incroyable, hein, aujourd'hui, hein. Bon, on avait coupé quoi là-dessus? Rien, donc voilà. Bon, le bon comment c'est la dalle. Elles ont l'air presque prêtes, hein. Attendez. Vérifier. Vous en pensez? Ça m'a l'air prêt, hein. On les laisse encore un petit peu. T'as déjà ouvert une gousse, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Vous voyez pas? Je sais pas, moi ça m'a l'air bon, hein. Comment on check si c'est bon? Ah oui, merde, pas de choix à côté de mes blancs d'œufs. Putain, mais ils sont insupportables, les blancs d'œufs. Pas mal du tout. Bon, allez, c'est bon, hop, ça dégage. On va dire qu'ils sont prêts. Qu'elles sont prêtes, pardon. Le plantage de couteau dans le plat. Ça m'a l'air pas mal, hein. Franchement, ça m'a l'air pas mal. Hein. Ça m'a l'air pas mal du tout, hein. Ça m'a l'air très propre, hein. Bah, c'est parfait. C'est parfait. On va les laisser reposer un petit peu sur le côté parce qu'il faut quand même qu'on finisse cette foutue mousse au chocolat, bordel. Ah, je viens de le brûler. Super. Les blancs d'œufs, c'était des princesses. Bah, je vois ça, hein, putain. Comment ça nous casser les dents, celle-là, hein. Il y a un mec qui va venir et qui va gueuler, qui va être en mode bon bah c'est 8h30 là. Et demain on part quand même, donc si tu peux te bouger le cul. Alors. J'arrive, je te fais à bouffer. Alors, comment ça marche? Ça marche comment? Pourquoi j'ai pris ça? Pourquoi j'ai pas juste pris l'extrait de vanille? Ça aurait été bien l'extrait de vanille. Non? Comment on fait? Hop! Là, je vais avoir besoin de votre aide, hein. Oh, mais j'en peux plus, ça marche plus. Prends un couteau sans dents, ça a pas de dents. Putain, mais pourquoi ça marche pas de nouveau? Putain, quelle merde. Alors que j'ai la 4G, hein. Bizarre. Sinon, je mets pas de vanille. Sinon, pas de vanille. Hein. Non, mais de la vanille, c'est cool. Moi, j'adore la vanille. Alors. Coupe dans la longueur et ensuite racle avec le dos du couteau dans l'intérieur. Alors. Je coupe dans la longueur. Donc, c'est-à-dire que je l'ai comme ça et hop. Là, ça n'a rien coupé du tout.
Là, ça a coupé. Oh, bim. J'ai trop coupé. Je l'ai coupé en deux. Et là, je gratte. Ben voilà. Nickel. C'est pas beau? Elle est où ma mousse? Elle est là. Faut en mettre combien? Faut mettre full? Faut mettre tout? Non, attendez. Ça va de faire ça à côté des blancs 2 ou ça va pas non plus parce que ils aiment pas? Ils me disent une entière, mais moi je fais plus confiance aux recettes. Ils ont eu tendance à me baiser. Hop là. Bon, je pense que c'est assez là. Voilà. Voilà. Hop. On va mettre comme ça. On va remixer un peu. Même si bon, dans la mousse au chocolat froide, je sais pas si la vanille comme ça, ça va être excellent. Mais bon. Tant pis. Mec, t'as fait ça toute ta vie, la gousse de vanille. Sérieux? Putain, pour une fois? Pour une fois que j'arrive à faire quelque chose? Dans cette soirée, là, ça fait du bien l'ego, hein, je vous cache pas, hein. Garder pour le mettre dans le rhum ambré. J'ai pas de rhum. Je pars à Rome. Ok. Ensuite. Bah trop tard, elle est à la poubelle là. Mais c'est bon, j'en ai encore une. Le gousse de vanille. La vodka, ça marche aussi. Ah bah ça, c'est plus local pour le coup. Je m'en suis mis là. Incroyable. Bon, ensuite, incorporer les délicatement avec la crème. Oui. En soulevant la préparation. Ah, t'es chiant, non, c'est bon. Ah, ferme avec une... Il faut mettre du sucre. À mi-chemin, mettez du sucre. Bon, ça va être un peu tard pour le coup. Sucre en poudre, 40 grammes. Ah, quand même. Quand même 40 grammes, hein. J'ai pas pour peser. Oh, j'ai pas pour peser. Putain. Bon, écoutez, on va mettre une cuillère à soupe. Ah, faut soulever, mais comment je me soulève et j'incorpore genre ça comme. Putain. Chiant, hein. J'ai plus de cuillère. Cuillère avec ses dalles. Fouilleux. Ah, on va manger à 10h du soir, tout va bien. Tu tournes ton poignet. Oh là là, tu tournes ton poignet. Non mais vous voulez dire d'incorporer. Ah mais soulever la préparation comme ça, oui d'accord, oui. Bah oui, alors oui. Bon. Voilà. Alors c'est bon, si c'est soulevé comme ça, oui, d'accord. Je crois que j'en ai trop là. Viens là. Parce que je fais. Pour que je sois plus délicat. Je sais pas ce que je fais. En tout cas, on passe un bon moment, hein.
Parce qu'on a un bon passo. Oh là là, on est là, on est là, on est là, hein. Il faut que je fasse plus de mousse. Faut que j'arrête de faire des lasagnes. Des lasagnes qui finiront froid d'ailleurs. C'est terrible. Ça va prendre des heures. Bon, attendez. Je vais remettre ma... les lasagnes au four. Moi, elles vont être froides. Et vu que j'ai éteint le four, ça sera juste en train de refroidir, ça va être bien. Ça va simplement les garder au chaud. Sinon, ma copine mange maintenant, quoi. Non, bah non, je voulais pas le laisser tout de suite au four parce que sinon, ça allait être trop chaud. Ça allait cuire de nouveau. Et je voulais pas ça. C'est pour ça que j'ai attendu que le four refroidisse un peu pour les remettre ensuite. Alors je vous dis pas que c'est le bon geste, hein, mais bon. Mais c'est bon, je l'ai mis dans le four maintenant, vous inquiétez pas. Mais c'est long, hein. C'est comme ça tout le temps, les mousses. C'est extrêmement long. Pas la cuillère. Oh quoi encore? Hop. Oh, y a quoi avec la cuillère encore? Ça va les réchauffer, ça va quoi? C'est bon, ça tombe pas là. Voilà. Comment ça me casse les couilles ces œufs-là? Ces œufs en neige là, ces blancs en neige. Bah oui, je pars demain à Rome. Pour un petit week-end. Bon bah j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas. Hein. Moi je m'emmerde mais... Je risque de les casser. Les casser. C'est quoi de les casser? Oh. Ça n'en finit jamais quand même. Merde. Merde, elle fait des grumeaux. Yves Grumeaux. Les gens, ils grumeaux. Non, c'est quoi? Comment il s'appelle? Je sais plus. Jean-Yves Grumeaux, je crois. Jean-Yves le grumeau. Je sais plus. Voilà. Oh, ça commence à ressembler. Ah, mais vous voyez rien, en fait. Voilà, faut que je mette les œufs là en fait. C'est quand même une webcam à 15 balles. J'enlève le grumeau. Bon. Donc la cuillère, je peux pas utiliser. Et bon, je m'en bats les couilles. Hop. Voilà. Au bout d'un moment, j'ai pas votre temps. Elle est jolie déjà, elle est pas mal, hein. Elle commence à avoir de la gueule un peu, cette mousse. Bah, franchement, pour deux découvertes, c'est pas, on s'en sort pas trop mal, hein. Bon, je vais dégager le ça dégage. Hop. Voilà, je veux plus les recettes, j'en ai marre. Okay. Elle me paraît pas assez épaisse, hein, là encore. Je pense qu'on va mettre tous nos œufs en nos blancs en neige, même si ça fait plus. Moi j'aime bien quand c'est mousseux. Putain, mais il est 20h48. Je peux te dire à ma copine de manger les. Hein? D'accord. Non, mais j'avais compris. Je vais faire chier, mais j'avais pas compris. J'avais bien pensé de laisser la cuillère, pas simplement de prendre la cuillère. Jamais avec vous. Wow. Peut-être que je vais lui dire de déjà manger les lasagnes. Are you hungry? Alors,
c'est pas le fait qu'il y ait le noise gate que vous n'ayez pas entendu de réponse. Hein. Vous inquiétez pas, c'est pas le noise gate là. Ah, ah ben, c'est ta propre copine qui nous fout des vents, ouais. C'est pas à ça près, hein. C'est bon au moins les lasagnes, j'en sais rien, c'est elle qui goûtera. Yulka? Are you hungry? Toso, adobra. Ça va. But I'm finishing the chocolate mousse, so I didn't know if you wanted to try the lasagna. But now or after? It's ready in 1 hour. Hein? The mousse, it needs to stay in the fridge. But or you want to try in live? I don't want them to see your face, but still. Mais je veux pas, frère, c'est ma meuf, vous allez pas la voir, hein. Because I don't want. Ah oui, especially no. But if you want to try to see. Oui. Ok, bah ma meuf elle va venir. Elle est belle ta mousse. Je pense qu'il faut en mettre encore un peu, hein. Qu'est-ce que vous pensez? Moi je mettrai encore un petit peu. Elle est belle ta mousse, c'est une très jolie. Accepter les rafales. Les rafales? Ah non! On ne laisse pas la cuillère, évidemment. Donc ma copine va venir essayer les lasagnes qui sont en train d'attendre dans le four. Et vous ne la verrez pas parce que vous êtes des psychopathes. Non, c'est bon. C'est bon. Elle viendra. Je veux dire, c'est pas comme si on avait 50 000 viewers. Des mecs, genre, de la communauté de Inoxtag qui vont aller la DM sur Twitter, etc. Je pense que vous êtes des gens civilisés. Et qu'on est quatre. Donc bon. Et qu'elle t'a mis un vent. Mais c'est quoi, une rafale de vent? Ah oui, si, ça marche. You want to hear the lasagna taste good. Ben voilà, c'était juste, là. Ouais, tu dois être plus confiant en ton anglais, Yabano. Bon bah attendez, faut qu'on sorte les lasagnes, alors. On peut pas l'avoir, on respecte vos vies. Non mais écoutez, elle regarde Instagram, elle va croire qu'elle est connue, ça va lui faire plaisir. Ah non, j'ai plus de gousse. Dommage, ça. Dommage. C'est bien dommage, ça. Bon, tant pis. Elle sera toute contente, elle pensera qu'elle sera connue. Parce que là, je dis quand même que je bosse, donc bon, au bout d'un moment, elle va se dire s'il y a que 5 viewers, ça peut pas être du taf, quoi. C'est... qu'il soit connu pour que ça soit rentable. Ok. Au secours. Ok. Mon évier, c'est Bagdad. Hein. Mon évier, c'est Bagdad. Hein. C'est terrible. Ok. On va finir d'incorporer nos blancs en neige. Chérie, on est 45 000 là, t'inquiète pas. Okay. Merveilleux. Elle me paraît vachement liquide, je pense. Oui, bon, c'est normal, c'est parce qu'il faut qu'on la laisse au réfrigérateur, mais bon. C'est au frigo ou au réfrigérateur qu'il faut le mettre, qu'il faut la mettre, la mousse? Parce que là, j'ai quitté la... J'ai quitté la page de la recette, donc je vous écoute, vous, et seulement vous. Ok. Yeah, sure. Wait, alors, Merde, j'en ai mis trop. I will take them off. Take them out. Vous les la laisser figuer dans le frigo. No, but you can come if you want. Just, I need to put some space. Je sais pas si je peux laisser les blancs comme ça, mais bon, merde. Alors. Déjà, have a look at them. Is there actually... Oui.
Macaron cheese. Attention. Thank you. Je sais pas si vous entendez, mais elle a dit ça a l'air bon et ça sent bon. Déjà un bon début. Attendez, faut que j'actualise. Hop. On va pas le servir trop. Bravo à tous, mesdames et messieurs, c'est grâce à vous. Hein. C'est grâce à vous qu'on en est arrivé là. Ça ne peut pas servir. Assez cuit. Okay. Bon, ça ressemble à ça. Pour vous qui êtes sur le live, ça ressemble à ça. Voilà, mais ta gueule. Voilà, ça ressemble à ça. Maintenant, on va avoir la dégustation. La dégustation. Mais qu'est-ce qu'elle fout là ? C'est fait chier. You want to try or not ? Bon, attends, faut quand même qu'on finisse ces conneries là, parce que bon, j'ai faim. Désolé. Merde, c'est hyper liquide. Elle se met à table, attention, j'ai la pression, mesdames et messieurs. J'ai faim. Ah bah, c'est le problème. Hein. C'est le problème quand on fait un live cuisine. Hein. Tomato, ricotta spinach. I follow the recipe, hein. Je crois que c'est pas un gros succès. Ah, d'accord. Ce qu'elle a dit, c'est quoi la sauce, là? Et je croyais qu'elle avait déjà essayé, mais apparemment, elle a pas essayé. J'ai pas envie de regarder si elle a essayé. J'ai envie de garder, vous savez, innocemment, l'envie de penser que... Je crois qu'elle a goûté. Mais elle dit rien. C'est pas un bon signe, non? Non, elle a pas goûté. Ok. Il faut une pression dedans. Aïe, aïe, aïe. More salt, but I give you soy. Hein. Elle va, mais elle met toujours plus de sel. Elle a dit c'est bon, mais ça manque de sel. Mais elle mange comme une tarée, donc bon. Ok, what else? Ah, more herbs, ok, ouais. Vous voyez, j'aurais dû mettre plus d'origan. Ouais, alors I didn't have enough salt. Y a pas assez de sel, y a pas assez de sauce, y a pas assez de tomates, y a pas assez d'épices, mais à part ça c'est bon, bah il reste des pâtes quoi. I love you. It's eatable quoi. Out of 10. Now be honest. No, it was my first time doing lasagna. Not compared to what I did before, compared to lasagna. Not compared to my hamburgers. Ah, elle a dit 6.5, 7 sur 10. It's great. C'est pas great, 6.5. It's basically just half. It's like a bit more than average. J'ai mal. Non, ça va. 7, it's okay. Non, mais 7 to make me smile or 7 to be... Mais j'ai put full ricotta, hein. More recipe, it was for 6 people. Bon, ça va, 7.
Et c'est parce qu'on n'avait pas assez de sauce. Bon, je l'ai fini là. Non, je pense que ça va là, la mousse. Oui, bah mousse, c'est loin là, hein. Bon, je pense qu'elle est bien. Je pense pas qu'il y a besoin de rajouter plus de blanc d'œuf. Ah, your c'est faux, Tef. On n'écrit pas your comme ça. Your c'est you are comme tu l'as écrit. Ah, someone said that you're very wonderful, that you're wonderful, that you look really nice, or you seem really nice, and that I'm really lucky. Tef. He doesn't live with you. Non, non, elle a dit merci, elle a dit merci. Hein. You're exactly, oui. Oui, mets-le au frigo, go au frigo, vite. Oh, ça a l'air trop bon. Oh, c'est incroyable. Will you eat lasagna? You really want to dig this? Ouais, je fais du ASMR. I know it's ASMR. Some girls are doing this, they're having 10,000 viewers. Okay. Mm. Au frigo, go! I'll try lasagna. Tac, 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 tac. Bon, bah voilà, merci à tous. Non, c'est pas incroyable. You are, oui, exactement. C'est parce que je devais écrire you. Voilà, exactly. Someone said that you're lucky to have a boyfriend who cooks for you. Even if it's a 7 out of 10. Merci, they saw you, hein. You didn't want this to happen. Bon, on va goûter du coup. Quand même. Je connais la règle, mais je bug. Ciao, non mais dites pas ciao, on va goûter. C'est la date, allez goûter quand même. Putain, j'ai pas envie de regarder à mon évier, hein. I want to look at the sink. That hurts me. Bon, on va goûter ça. Parti. Ok, ça manque de sel. Ça manque cruellement de sel. Ok, ça, on t'a fait plus. Ça, I think I should have made more passata. But not ricotta. Ricotta is good, I think. Ouais, more sauce, quoi. Non, en vrai, ouais, il nous manquait un petit peu de sauce, mais ça, c'est ce qu'on s'en est rendu compte assez vite. Mais sinon, à part ça, c'est bon, hein. On n'a pas du tout du salé en y repensant. Non, on a salé quoi? On a salé la sauce passata. Mais c'est vrai que c'est tout. Ah non, on a mis aussi du sel dans les épinards. Mais je pense pas assez. Mmh. Mais c'est bon. Ça manque de fromage pour moi, perso. Mais ça manque... Oui, ça manque de sel. Ça manque de sel et de passata. Ça va. Mais toi, t'es une biche, non. Limite. Non, mais limite. Elle est en train de foutre son doigt dans la mouille. Mais non. We need to live. Stop it. Arrête. Non. Jesus. Good. Bon, bah, c'est chocolat, quoi. Je la déteste. On lui a dit... Sérieux, quoi. Quelle gourmande. Oh, oh, oh. Bon. Ok. Mm. Bah, c'est trop bon, hein. En vrai. C'est grave bon. Merde. Merde, merde, merde. Pas ça, faut que ça soit pas prêt. Bon, toi, t'as pas de copine, hein. Essaye d'arrêter une copine pendant qu'elle mange, hein. Putain. Pas ma copine. C'est trop bon. Bah, je vais m'en resservir, hein. C'est trop bon. Bravo à tous, vous avez été incroyables. Bah, chef, vous pouvez pas la manger, du coup, mais bon. J'ai un copain, je te signale. Bah, écoute, j'en sais rien comment il est avec la bouffe. Mais ma copine, quand j'essaie de la stopper de manger,
Je me fais engueuler. Ça, c'est quand on fait des pâtes. J'adore manger des pâtes sans sauce, genre qui sortent de la casserole. Je sais pas si vous avez ça aussi. Je sais pas si vous avez remarqué. Enfin bref. Voilà, une bonne poêlée. Ça a l'air trop bon, sérieux. Regardez ça, là, incroyable. Vous voulez voir un peu toutes les couches? Vous voyez rien, mais c'est pas grave. C'est trop bon. Putain, mon chat il remarche plus. Ah non, c'est bon, il marche. Trop bien. Bon bah merci beaucoup Tef, merci beaucoup Yabano. Vous avez été les seuls ce soir, mais j'espère que vous avez passé un bon moment. Ça me fait toujours rire ces live cuisine. J'espère que vous avez passé un bon moment, que c'était sympa. Et puis voilà, je vous enverrai une photo de la mousse au chocolat quand elle sera... Qu'est-ce qu'il y a de bon, le mec, il se... voilà. J'espère que c'était marrant. Mais là, je vais manger, j'ai faim. J'ai faim, c'était bien. C'était sympa, c'était passable. Comme ces lasagnes. C'était ça, c'était un 6,5 sur 10, quoi. Bref. Des gros bisous. Des gros bisous, passez une bonne soirée. Avec la trace de doigts dans la mousse. Ah bon, on va la laisser. Bah là, il n'y en a pas qu'une de trace de doigts. Hein. Il y a les 5 de doigts. Là, il y a la peau en entier. Là. Incroyable. Bon. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. J'avais de l'amour à Frisien et t'as même pas lu. Bah, c'est pas. Il n'est pas destiné à moi, l'amour. Frisien, c'est pas à moi. Donc bon, que je le lise ou pas, c'est quand même pour Frisien. L'intention y est. Bref, ça ressemble pas à ce qu'il y a dans le fond derrière, mais bon, c'est pas loin. Passez une très bonne fin de semaine, du coup. Je vous tiendrai un petit peu en courant sur le Discord. Ce qu'on va faire pour ces... Des gros bisous, du cœur, du love. Bref, mais c'est trop un plaisir de vous avoir. Merci infiniment, vraiment. C'est pour ça que je reprends les lives et c'est pour ça que je suis trop content d'en refaire. Même si vous voyez, on est que deux, mais on est. Enfin, c'est trop bien. Merci beaucoup d'être là. Moi, j'ai pris mon pied en tout cas. Donc, des gros bisous. Je vous tiens au courant pour la fin de semaine, même s'il n'y aura pas de live. En tout cas, jusqu'à dimanche. Dimanche, sachant que je dois prendre un train à 6h du mat. Au jus. On se tient au jus. Donc voilà, et puis il faudra que je bosse sur plein de trucs. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps. En tout cas, je vous ferai le planning. Ça, c'est clair pour dimanche. Et puis on verra si on se fera un petit live ou pas. Je vous embrasse fort. Très bonne fin de semaine à vous. N'hésitez pas à suivre le Discord, Twitter, évidemment. Continuez à suivre les réseaux. Envoyez du soutien, de l'amour. Et voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de semaine. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.